Bienvenue les petits amis, aujourd'hui on s'intéresse à un jeu de stratégie en temps réel développé par Firefly Studio et disponible depuis le 23 septembre dernier, j'ai nommé Stronghold Crusader 2. L'histoire se passe donc en 1107 après Jésus-Christ, vous êtes un seigneur qui a la ferme intention de régner sur tout le territoire. Et pour régner, vous allez devoir construire votre château, le fortifier, lever une armée gigantesque capable de déjouer les plans de votre adversaire et enfin, vous devrez assurer la satisfaction globale de votre population de travailleurs. Stronghold Crusader 2 se joue en mode libre, appelé le bac à sable ou en escarmouche, contre un ou plusieurs ennemis contrôlés par l'intelligence artificielle. Mais là où le jeu prend toute sa saveur, c'est en multijoueur contre un ou plusieurs amis. Là, vous pourrez essayer de contrer les stratégies offensives ou défensives de vos amis, ce qui constitue un challenge bien plus important que contre une IA, parfois bien maladroite. Au niveau du gameplay, le jeu reprend les principes et les éléments de base de tous les jeux de stratégie qui existent, à savoir construire des maisons pour pouvoir attirer des paysans, sachant que plus votre maison est loin de la tour principale, moins elle peut accueillir de paysans, car ces derniers aiment habiter à proximité du seigneur. Il faudra également construire des scieries pour couper du bois, c'est l'élément de base de la construction, des pommerais et des élevages pour assurer un apport en nourriture constant, des carrières de pierre et des mines de fer pour pouvoir fabriquer des armes différentes dans les bâtiments adéquats, mais aussi construire des murs imposants tout autour de votre château pour en assurer sa protection. Pour notre seigneur et maître, en avant ! Vous devez faire tout cela en assurant la satisfaction de votre population. Pour cela, vous aurez plusieurs facteurs contrôlables comme le niveau des impôts, la quantité de nourriture distribuée, la présence de bière dans l'auberge et celle d'une église où les gens demanderont pardon d'avoir trop bu. Notez que si jamais la satisfaction passe dans le rouge, votre population ira voir ailleurs si l'herbe y est plus verte. Allez, intéressons-nous maintenant à notre partie. J'ai choisi une escarmouche contre un seul joueur et vu que la construction des éléments du château ressemble à celle des villes dans les autres RTS, je vais orienter mon gameplay de démonstration vers une guerre éclair, c'est-à-dire que je vais essayer d'étouffer mon ennemi dès le départ sous la marée humaine des soldats que je vais lui envoyer. Alors j'ai construit un avant-poste proche de mon château dans un passage emprunté par les ennemis qui sont juste au sud de ma position. Vous voyez ici un petit groupe de soldats qui se dirigent vers mes positions, mais qui ne savent pas encore qu'ils sont destinés à mourir rapidement. Un message du rat. Cessez donc vos jérémiades, paysans. Votre armée fantoche a plutôt intérêt à faire acte de résistance. Les troupes du rat attaquent. Nous attendons les ordres. Avançons. À partir de cet instant, je vais lever la plus grande armée possible. Pour entraîner les soldats, vous aurez besoin de paysans, d'armes et d'or. Les armes peuvent être construites ou achetées au marché. D'ailleurs, toutes les ressources que vous allez collecter ou fabriquer peuvent se vendre, ce qui vous permet de remplir rapidement vos bourses. Il nous faut des armes, sire. Besoin d'écraser quelques crânes ? On veut se battre ! Ce que je trouve dommage dans ce jeu, c'est l'instantanéité des actions. C'est-à-dire, quand vous lancez la construction d'une maison, la maison se construit dans la seconde. Quand vous entraînez une unité, l'unité est immédiatement prête. Il aurait peut-être fallu un timer, histoire de rendre les choses un petit peu plus dures, surtout lorsque la situation dégénère. Voilà, à présent je dispose d'un nombre de soldats conséquent, je vais pouvoir créer un poste avancé plus proche du château ennemi et commencer à créer des engins de siège. Au passage, je vais écraser sans ménagement les quelques soldats assez fous pour venir affronter mon armée. Prêt ! Bien ! Étripez-les ! À l'attaque !
message du rat. Scellez mon cheval et préparez-vous à battre en retraite. C'est juste une fausse. Allons-y. Pour la gloire et la postérité. Alors, je sais pas pour vous, mais moi j'aime beaucoup les cris des soldats partant à la bataille. Je trouve que ça donne une ambiance guerrière très forte et ça motive à les fracasser de l'ennemi. Catapulte parée, messire. Nous partons. Un message du rat. On m'avait dit que la victoire était assurée. Mais comment est-ce possible? Détachement en route, messire. Alors, à ce niveau, ma stratégie de guerre éclair est simple. Je vais lancer mes catapultes vers un point du château ennemi pour y faire un passage. Et mon armée sera chargée de protéger les catapultes et de détruire les soldats adverses. Je brûle d'impatience. Nous sommes en chemin. Bien, messire. Un message du rat. Qu'arrive-t-il à notre illustre famille? Vous avez besoin de nous? Pour fendez-les! Catapulte parée, messire. Préparation. Nous attendons les ordres. En avant, marche! Taillez-les en pièces! Étripez-les! Chargez! Pour la couronne! L'attaque est lancée, elle doit réussir. Je lance toutes mes forces dans la bataille. Le seigneur adverse va périr. Impossible de passer par là. Bien. Pourfendez-les. Impossible de passer par là. Notez que les archers peuvent tirer au sommet de la tour pour tuer les soldats. Mais pour faire manger la poussière au seigneur, il faudrait lancer les troupes au corps à corps directement au sommet de la tour. Attention, même si le seigneur ennemi est fortement blessé, n'envoyez pas votre seigneur à vous le battre, il risque de se faire poutrer et la partie serait perdue. Quels sont vos ordres ? Aux murailles ! Sire ? Quels sont les ordres ? Archers, à vos armes ! Sire ? En avant, marche ! À vos ordres. Maintenez la formation. Je vous en prie. Épargnez-moi. Victoire! Vous l'aurez remarqué, le seigneur ennemi est plutôt coriace. Bref, la stratégie de guerre éclair a réussi. C'est l'une des nombreuses stratégies que vous pourrez imaginer. Ce jeu vous garantit véritablement des heures d'amusement. Il n'est pas spécialement beau, le gameplay n'a rien de très nouveau, mais il est terriblement amusant, surtout contre de vrais amis en face. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez pu vous faire une idée sur ce jeu. On se retrouve très bientôt les petits amis sur un nouveau jeu. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner et à très bientôt. Prenez soin de vous, ciao.